Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Ouais, j'ai besoin de vous. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des photos de vos évolutions suite à mes programmes d'entraînement, mais aussi suite à des conseils que j'ai faits, que vous avez appliqués, et ça me fait plaisir de fou. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire partager à la communauté et motiver tout le monde vos transformations, d'accord? Bien entendu, là, je ne vais pas prendre vos photos et les mettre directement ici. J'aimerais avoir votre avis, d'accord? Votre avis, c'est important. Toi qui m'as envoyé une photo ou toi qui comptes m'envoyer la photo de ton évolution, je veux ton avis. Si tu fais partie des personnes qui suivent mes entraînements complets quotidiennement, il y a certaines vidéos où j'en parle, où je me dis, ouais, peut-être que je ferai une vidéo où je montrerai les évolutions de tout le monde afin de motiver les personnes. Ben, ce moment, il est venu, ok? Donc, c'est simple. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des photos, envoyez-moi encore vos photos d'évolution, que ce soit avant les programmes, après les programmes, ou même des photos des évolutions que vous faites grâce à mes conseils ou non. Peu importe, mais dites-moi tout. Mon but, il est simple, c'est de faire un format un peu analyse, où j'analyse un peu les physiques, je dis ce que j'en pense, je dis ce qui manque, parce que ouais, je suis pas là pour dire « Oh, c'est bien, c'est cool !» Je suis là pour dire ce que tu peux améliorer selon tes objectifs, et voilà, afin de motiver aussi tout le monde, parce que l'évolution, ça motive, et c'est satisfaisant de voir ça. Donc, j'ai besoin de plusieurs choses. Déjà, si tu veux participer, t'envoies ta photo, d'accord ? Tu me dis si je peux montrer ta tête ou non, ou tu caches ta tête tout simplement. Tu me dis ton nom ou un blaze, peu importe. Tu me dis si je peux mettre ton Insta, voilà. Ton âge, ton poids, ta taille et ton objectif. Tout simplement, ok? Donc voilà, c'est un petit concept simple, rapide et efficace que je voulais mettre en place. Alors je fais cette vidéo, ben, on est en juillet actuellement, tu vois. Juillet, août, c'est les vacances d'été. Il y en a qui font du sport, il y en a qui s'entraînent dur, il y en a qui se laissent aller, il y en a qui sont en recherche de motivation, il y en a qui ne partent pas en vacances, qui galèrent à la maison, qui veulent avoir un physique et qui construisent leur physique. Si je peux motiver ces gens-là en montrant vos transformations, bah c'est important. Parce que il faut que vous sachiez quelque chose. Moi, je peux te motiver avec mes vidéos, avec les programmes et tout, avec mon physique. Mais vous, vous pouvez motiver aussi beaucoup de personnes sans le savoir et sans le vouloir. Et peut-être même le fait de voir que les gens vous complimentent, les gens vous donnent la force, les gens vous donnent la motivation, et les gens aiment bien votre évolution, bah, ça vous motive encore plus à aller loin. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, et créer un petit noyau solide avec cette communauté qu'on est en train de créer. Et bien évidemment, moi aussi, ça me sert d'améliorer mes programmes, à me faire une analyse, de voir où les personnes prennent le plus facilement dans mes programmes, où les personnes ont plus du mal à prendre, là où il faut que j'accentue mes programmes, voilà, afin de proposer beaucoup plus de programmes complets et gratuits, adaptés à tout le monde. Je sais que c'est dur de s'adapter à plusieurs personnes, mais si je peux voir plus ou moins l'évolution des personnes et me faire une synthèse globale afin de donner des programmes encore plus construits pour que vous puissiez évoluer de la plus belle des façons, ben je le ferai, il n'y a pas de souci. Et ça m'aide aussi à ça, clairement. Bien entendu, de mon côté aussi, je prépare une deuxième vidéo sur mon évolution, sur mon parcours. J'en ai déjà fait une, mais je vais en faire une un peu plus construite, un peu plus complète, histoire de bien te parler, histoire d'être posé et tout, de te raconter un peu l'histoire. Mais bon, pour ceux qui le savent déjà, ben, ils vont la réécouter en mieux. Parce que voilà, on va dire que le setup, il est mieux en vidéo. Je peux mieux m'exprimer maintenant parce que ça fait longtemps que je parle devant une caméra. Ça fait longtemps que je raconte des conneries devant une caméra. Donc, je suis vraiment à l'aise. Donc, pouvoir te raconter une histoire et tout, je pourrais te la faire de la meilleure des façons. Sinon, je compte et je tiens à tous vous remercier pour la force, la motivation, les remerciements que je reçois sur Instagram. J'en reçois de plus en plus et je vous remercie par rapport à ça. Parce que c'est grâce à vos remerciements, c'est grâce à vos critiques constructives, c'est grâce aussi à vos demandes, parce que vous me posez beaucoup de questions, vous me dites « est-ce que je peux faire ça en vidéo ?» Ben, je le fais. C'est grâce à tout ça que cette chaîne évolue à l'image de tout le monde et qu'on avance dans ce game, tout simplement. Bon, après, sincèrement, je ne sais pas si ce projet verra le jour, je ne sais pas si des personnes voudront se montrer sur YouTube, parce que voilà, YouTube, c'est ouvert à tout, c'est ouvert à toutes les critiques, c'est ouvert à beaucoup de personnes
qui veulent se moquer, qui veulent, voilà. Mais voilà, nous on est là pour évoluer, on est là pour progresser. Moi j'aimerais avoir une communauté qui s'entraide, qui s'encourage à aller loin, à aller d'un point A à un point B. Donc si on peut se motiver tout en ignorant les autres et les moqueries, on va le faire. Je ne sais pas si des personnes voudront se voir, voudront se montrer, mais je fais quand même, tu vois, je demande quand même afin de te proposer cette vidéo. Peut-être que ce projet ne verra pas le jour, voilà, c'est pas grave. Au moins je propose, je suis là, moi je veux au moins 4 ou 5 personnes. Dès que j'ai ces personnes-là, la vidéo, je la prépare et on y va. Comme je t'ai dit, envoie-moi un message sur Instagram avec tout ce que je t'ai dit. On parle, on échange un peu et je prépare les vidéos tranquillement. Bon, moi, je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, ok? Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Je tiens quand même à te remercier. Je le fais tout le temps, mais c'est important, ok? Mais moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.